Voilà, shalom, shalom. Moi, c'est le pasteur Serge. Nous sommes au centre pionnier de délivrance du prophète Joël Kasso en cette date de ce vendredi 7 septembre 2018. Nous sommes au centre pionnier. Nous reprenons encore les aveux de cette vieille qui vient de Goïtafla, précisément du village qu'on appelle Flaya, où ses enfants ont invité le prophète, où le prophète a mis sa main sur elle. Elle est là depuis longtemps, donc nous procédons maintenant à sa délivrance. Puisqu'elle a dit qu'elle est sorcière plutôt, donc il faut qu'elle fasse les aveux. Donc tu vas demander à la veille, comment elle s'appelle, son nom? Nelelutizio Yvonne. Non, c'est son nom qu'elle est en train de dire. Elle s'appelle Nelelutizio. C'est moi, je lui ai donné le nom d'Yvonne. Sinon, elle n'a pas de nom français. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a dit qu'elle n'a rien, que c'est la sorcellerie. Ok, donc elle est sorcière. Comment elle a eu ça? Qui lui a donné la sorcellerie? Son grand frère. Son nom? Son nom. Ok. Ton grand frère lui a donné la sorcellerie dans quoi? Et ça va pas être caca. Elle a quitté chez elle. Elle est arrivée chez son grand frère. Il était en train de manger foutu. Avec pintade. Ok, donc c'est de la nourriture. Il a mangé, maintenant la nourriture, il est venu réclamer. Ok, donc c'est de la nourriture, il lui a donné la sorcellerie. Maintenant, quand son grand frère lui a donné la sorcellerie, elle, à son tour, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, elle n'a pas dit, je vais dans une mère claire. Elle n'a pas dit, je vais. Je vais m'en dire. Quand? Il y a un peu de temps, je vais m'en dire. Il est? Vous n'avez rien à dire? Il est venu. Elle dit quand il lui a donné la sorcellerie, oui. Il dit qu'elle n'a qu'à tuer. Donc elle est la plus elle pour tuer. Elle a donné sa première fille. Sa première fille. Comment elle s'appelle? Oui, là, Alain. Alain appelle Madeleine. Madeleine. Elle t'appelle Madeleine. Comment elle a fait pour tuer sa fille? Non, mais crée qu'elle est bien. La guise, il y avait. Il m'a dit, tu peux être sans toi, elle te réveille. Je m'a dit, tu me réveilles, je m'a dit, tu me réveilles, tu me réveilles, après. Elle a pris bois pour donner un jeune qui était arrêté. Elle a limé le jeune et puis elle a donné bois là au jeune et puis il a pris pour limer sa fille. Donc, elle s'est transformée en quoi pour tuer sa fille? Mais il n'aura même fait, il vous dit. Serpent. Non, elle s'est transformée en serpent pour la tuer. Elle a mangé, hein? Quelle partie qu'elle a mangé? Non, il doit avec bien, maintenant elle a fait qu'elle a zéro bébé. Ok, la tête et le cœur. Combien de personnes elle a tuées depuis qu'elle est dans la sorcellerie? Non, depuis qu'ils sont dans jusqu'à Tchouvé, ils me n'ont pas. Elle me l'a dit. Elle a tué beaucoup. Voilà, elle a tué beaucoup. Bon, elle a quand même donné le nom de au moins 7 personnes. Dans la famille, il y a les gens qu'elle a tués dans la famille. Il est pour les mouvements, il est pour les mouvements. Il y a François. Et puis il y a qui? Fleurot. Fleurot, c'est son nom français, c'est quoi? C'est comme ça on appelle. Ni Fleurot, on se sent pas vrai. Que femme est chère. Ok. En gros. Donc, en gros, femme est chère. Donc, il y a François plus ses deux sœurs. Maintenant, plus sa fille. Madeleine, ça veut dire qu'il y a 4. Il y a qui encore? Donc, elle reconnaît avoir tué les gens.
Bon. Fille, venez vous maintenant. Et c'est très doux. Vous êtes malade. Vous êtes doux, mais fille, bébé, bébé, fait très. Ma bébé. Est-ce que tu ne peux pas nier ça? Je vais tirer un peu. Je comprends rien, mais. Vous êtes combien dans ça, dans son groupe là? Non, car il sort dans mes camions. Ça nous quoi dit? Il y a besoin. Y a qui? Dis-le un nom. On a qu'à dire le nom des gens. Les gens de elle connaissent qu'à dire le nom. Si ben nous toffe, ben nous toffe. Ben nous toffe. C'est qui? Y a qui et qui? Tralou. Gire. Tralou. Gire. C'est qui? C'est ton frère ou bien c'est qui? C'est Télémousso. Sa camarade. Ok. Y a qui encore? C'est qui? Zamblelou. Ce sont ses camarades. Mm-hmm. Ton frère là, comment il s'appelle? Que drôle de il était zo pas il voilà non pas tezo pas il arrive peine to la to là arrive peine to voilà c'est aigu c'est les gens avec qui tu manges ils viennent de là tu les connais pas à to là tel bigre ça m'a pié là to là tu as dit quoi tel bigre OK ton grand frère c'est son nom qui est là Ok, tu as gâté qui et qui? Les gens tu as gâté là, c'est qui? Inénouté. Ses enfants. Quatre enfants. Leur nom. Otto. Benjamin. Germain. Félix. Mathurin. Il faut lui demander, elle a gâté quoi dans la vie de Benjamin? Non, Benjamin n'est pas fait, il n'est pas fait, il n'est pas Benjamin n'est pas fait, il n'est pas fait, il n'est pas fait. Au bout d'ici, je ne sais pas si je suis là, il faut aller. Qu'est-ce que tu as gâté dans la vie de Benjamin? Benjamin est très là, il est très bien, il est très caca. Je suis là, il est très bien, il est très bien, il est très bien. Son agent. Son agent. Ok, donc elle a gâté l'argent de Benjamin. Après l'argent, qu'est-ce qu'elle a gâté pour Benjamin encore? Et Benjamin me fait 13. Benjamin. Il est Benjamin, où le voyez-moi? Après l'argent, tu as gâté quoi pour lui? Il est quoi, il fallait me faire 13. Mais c'est vraiment pas grave. Elle dit qu'il y a longtemps, elle a fait ça, donc elle a oublié. Tu n'as pas gâté son travail? Tu as commencé encore. Tu n'as pas gâté son travail? Non, gâté. Il faut lui dire, elle a trouvé Benjamin pour garder son argent et son travail. Parce qu'ils sont en France. Ces trois enfants, les trois là, Benjamin, Germain et Félix, sont en France. En Angleterre. Elle a fait comment partir? Non, mais très caillé, ou bon, on m'a mis, il voulait faire le serait, il voulait rien avoir, on voulait faire le serait. Il voulait faire le serait, il voulait faire le serait. Tu as pris avion. Ton avion là, c'est quoi? C'est genre de vélo. Donc elle a pris quatre rayons de vélo qu'elle a placé et elle a fabriqué son avion. Et tu allais gâter l'argent de ton fils. Benjamin. Après, Benjamin, tu as gâté qui? Qu'est-ce que tu regardes dans la vie de Germain? Elle dit, c'est même si quand les gars envoient l'argent pour elle,
Donc quand ses enfants lui envoient l'argent, elle prend et puis elle gâte. Donc c'est ce qu'elle a fait pour les trois. Donc tu as fait quoi à Félix? Donc Benjamin son argent, Germain son argent, l'autre aussi son argent, à leur travail. Wow. Et Félix? Félix ben, après aller à Zéria, il y a un gouverneur. Tu as gâté quoi pour Félix? Faut dire ça, faut pas parler beaucoup. Qu'est-ce que c'est que tu as gâté là? Faut dire que c'est ça qui est gâté. J'aime pas trop les détails. Ce que tu as fait, c'est ce que tu dis. Il fait un serait à l'étranger. Ah, qu'est-ce que tu as gâté pour Félix? Félix, oui, il est dur. Félix, oui, il est dur. Ma douce cou, tu as dit. Ma douce cou, ma belle banane. Elle dit quoi? Et son fils là, il a fait un accident pour gâter la voiture des gens. Donc elle allait faire fétiche pour ne pas qu'on le voie quoi, pour l'attraper. Qu'est-ce que tu as gâté pour Félix? Faut laisser. Il a fait, il a gâté la voiture des gens. Tu as gâté quoi dans sa vie? Il m'a essayé à l'étranger. Mm-hmm. C'est ton façon, je n'aime pas la guerre là. Quand on fait doucement là, ça ne te plaît pas. Pour dire ce que tu as gâté pour Félix, c'est difficile. Tu as dit Benjamin l'argent, travail. Germain l'argent, Félix, il te donne pas l'argent. Il te donne pas l'argent. Mais il y a quoi? Pour dire j'ai gâté son argent, c'est difficile. Quelque chose chaque jour tu dis là, tu ne vas pas dire ça. Ça te fait rire. Tu ris avec ici. Tu ris avec qui? Donc pour dire ça, ils n'ont qu'à crier sur toi. Pour dire ça, tu as tourné, tourné, tourné pour parler. Félix, il est bon, il est bon. Là, c'est l'argent sur laquelle elle a gâté chez lui. Elle a programmé qui? Maturé. Tu as gâté quoi pour Maturé? Dis qu'au village là. Elle dit quoi? Qu'elle a gâté son voyage. Lui aussi devait aller là-bas, elle a gâté. Comment elle a gâté? Elle est le seul cas. Mati? Il a fait un frère. Il dit là, oui, en disant, c'est vrai. Elle dit quoi? Qu'elle a pris ses papiers, mais elle ne sait pas où elle a dit. Non, c'est ses papiers qu'elle a gâté. C'est ce qui a fait que Mathieu n'a pas voyagé. Pourquoi elle ne veut pas que Mathieu voyage? Non, mais vous n'avez pas vrai, et bon, monsieur. Mais enfin, tout le monde est bien. Elle est restée sûre, si, ça va rester sûre. C'est ton gardien ou bien? Ceux qui sont là-bas, ils sont pas là-bas. Mais toi, on fait pas une zia. Elle fait quoi, elle, lui? Elle fait quoi avec lui? Il est bien trahi, je n'ai rien. Maturé. Tu fais quoi, elle, maturé? Allez, allez. Qu'est-ce que tu fais à lui? Tu fais rien. Tu fais rien. Qu'est-ce que tu fais à Mathurin? Et puis tu veux pas qu'il voyage. Je te demande. Elle voulait m'amener. Qu'elle a tué la fille de Mathurin.
Elle a tué sa fille. Mais là, qu'est-ce qu'elle a fait au père? Il m'a craqué pour rien. Il m'a craqué pour rien. Il était au flasiro. Tu as bête le gué. Il m'a fait craquer. Il m'a fait dire qu'il a fait craquer. Il m'a fait craquer. Aujourd'hui, elle s'en casse dans ta bouche. Tu fais quoi à maturer? Il faut parler vite, on va quitter ici. Donc pour dire ça, c'est difficile. Ton fils est ton mari. C'est ta femme. C'est son mari. Toi, tu es garçon. Elle est la femme, lui, les garçons. C'est non, son fils, c'est elle, son mari. C'est elle qui est un garçon. Elle transforme son fils. Lui, les femmes. Donc, tu couches avec ton fils. Comment tu fais? Et puis elle met aussi sur lui, elle devient femme. Ah ok, donc elle, elle le transforme en femme et elle, elle devient le garçon et elle couche avec Mathurin. Mm-hmm. Maintenant quand elle fait ça, c'est quoi elle garde dans la vie de Mathurin? Non, ça coule ça, elle a bloqué son voyage. Ça coule ça? Je te demande. Ça coule ça, tu ne pas qui voyage. Comme c'est ta femme là, si il est parti, tu n'as plus femme. Là-bas, il n'y a pas femme là-bas. Dans son sonnerie, il n'y a pas femme. Attends, dans son sonnerie, tu as quoi? Elle dit quoi? Ok. Parmi ses enfants, c'est qui elle a programmé? Tu as programmé qui et qui? Benjamin. Et puis qui? Salomé. Et puis? Et puis, donc, ta femme l'a programmé, donc tous tes enfants. Donc, il n'a pas eu de problème. Tu les as tous programmés. Et les deux, mon ami, Elle les a tous programmés, mais il y a un mois. Un mois en intervalle entre eux. Donc l'autre meurt. Il faut lui demander, Benjamin va mourir quand? Benjamin est grand maigre. Le 5 janvier. Et Benjamin est maturé. C'est qu'il y a sûr, il y a deux qui vont mourir. Décembre et novembre. Pas entre Benjamin et Félix, qui va mourir en décembre? À 15 ans dans Garève. C'est Benjamin qui va mourir en décembre. En Pâques 2019. Et Mathurin. Ta femme là. Non. Ça te fait rire. Quand? Mathurin est samedi. Ah, celui qui a mouru 5 janvier là. Ok. Tes enfants. Maintenant, sorcellerie, tu es quoi là-bas? Tu es quoi là-bas? Ah, oui, mais.
Voilà. Il y a le libre. Libre. Elle est... C'est une grande femme là-bas. Elle est reine. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Donc, en sorcellerie, tu es vieille ou bien tu es jeune? Encore une fois, tu es vieille. Tu es vieille. Tu es vieille. Elle dit là-bas, il n'y a pas de jeune fille. Non, elle est jeune fille. Mmh. Donc, toi, tu es jeune fille. Mmh. Elle a quel âge là-bas? Il est non de quel âge? Moi, je suis mais il est blé, 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 non, blé. C'est ma blé, Namibé. Là-bas, elle porte des mini. Elle est suélo. Elle a 17 ans là-bas, faut le dire ça. Il est non, à Namibé. C'est pas ça? C'est pas ça? Là-bas, les jeunes filles, c'est ici, les vieilles. Bon, qu'est-ce que tu as fait au village? Dans ton village, là-bas, tu as fait quoi? Il met un là. Vas-y, quoi? Qu'est-ce que tu as fait dans la famille? Et puis tes enfants sont venus chercher le prophète pour partir à lui. Pour lui, mes frères, créer au-delà, barrer vos enfants, là, les vos enfants, Jésus. Au-delà, barrer vos enfants, là, les vos enfants. C'est ma fille, ma guide, alors. Mais il me fait créer ça, ou. Elle est toute créée, non, 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 le matin, il y a une félicité. Il y a un peu de temps. Il y a une félicité. 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 Il Mais qu'est-ce que tu as fait? Et puis il est venu le chercher. Tu n'as pas fait des rêves. C'est parce que leur vie s'est bloquée là-bas. Tu n'as pas fait de savoir le prophète parti là-bas. C'est à cause de toi. C'est pas ça. C'est très la fait face rien dans les gens là. Il est déjà. La fin de ma gueule va faire ce que j'ai bien. Non, mais ça va. Entre Félix et Benjamin, elle a chié dans la maison de qui? En France là-bas. En Europe là. Là, ils sont en Angleterre. C'est dans la maison de qui elle a chié? Il peut me dire qu'il me à 15 ans. Elle a chié dans la maison de Benjamin. Et c'est pourquoi? Elle a chié pourquoi? Elle voulait gâter. C'est pour gâter sa maison qu'elle a chié. Il n'y a pas de WC. Donc, au village là, tu n'as rien fait. Dans ta famille, tu n'as rien fait. Tu dis baba seulement, ça c'est maçon, maçon. Donc, c'est tes enfants seulement que tu as gâté. À part tes enfants, tu n'as pas gâté une personne de la famille. Il n'était pas mal à mes pères. Ok. Qu'elle peut boire une poussa qu'elle n'a pas touché pour tous les autres, à part ses enfants. Hé, quoi, quoi, hé. Allons-y. Tu veux faire quoi? Donc, à part tes enfants, tu n'as pas gardé quelqu'un? Non, il ne nous tait pas, c'est tout. C'est tout ce que tu as fait. C'est tout. C'est tout. Ça dit quoi? Les garçons comme femme, elle n'a pas touché quelqu'un. Dans la famille, elle n'a pas touché garçon comme femme. C'est un poisson, mais elle l'a touché. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut? Il regarde mes bras. Est-ce qu'au moins elle regarde ce qu'elle a fait? Non, il ne veut pas que je me dise, non, il manque.
Est-ce qu'elle regrette ce qu'elle a fait? Maintenant, c'est à qui elle a donné son souvenir? Elle a donné son souvenir à qui? À Douave. Cédric Oudou. Son petit-fils. Cédric Oudou. Ancien sorcier. Après lui, à qui encore? C'est fini. Mais toi-même, c'est toi-même qui gardes tes enfants, et puis tes enfants souffrent. Et puis tu n'as pas dit ça. Pourquoi quand le prophète est parti là-bas, tu n'as pas dit au prophète, ah pardon, c'est moi je gâte la vie de mes enfants. Pardon, faut m'aider, faut me délivrer. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Donc, quand le prophète arrive de venir ici, c'est pourquoi elle n'a pas parlé. Mais avant que le prophète n'arrive, il y avait un groupe qui est parti avant le prophète. Pourquoi elle n'a pas dit au pasteur qui était devant le groupe à vous dire, ah, pasteur, pardon, si le prophète vient, il faut lui dire que c'est moi-même, je garde mes enfants. Elle voulait venir, elle-même a payé son transport. Pour dire, accompagnez-moi à Divo. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'elle peut dire? Il y a certaines personnes qui disent que son souvenir n'existe pas. La sorcellerie existe. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle peut dire à ces personnes qui disent que ce souvenir n'existe pas? Ceux qui sont dans la société qui ne veulent pas reconnaître la société. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Non, c'est pas de ça qu'il cherche. C'est quel appel elle peut lancer à ceux qui ne croient pas à la sorcellerie. Que la sorcellerie salue. Qu'elle est peut-être talon, elle s'habille bien. Mais depuis qu'elle est dans la sorcellerie, elle est sale. Elle est devenue misérable. Ah non, il y a maman, elle est sale. Il y a des points qui sont dans la sorcellerie. Quelqu'un, la personne qui vit dans cette maison est sorcière, elle est masculine. Ok. Donc, c'est... qu'est-ce que maintenant elle veut? Donc, il est signé ou à Créta. Mais il y a qui a dit? Elle dit dans le descendant.
Tu n'as qu'à lever. Marie a dit. Elle est venue. Non, le prophète n'a qu'à l'aider, quoi. Mais elle-même, elle sait depuis que le prophète est ici. Et puis depuis elle-même, elle n'est pas venue d'elle-même. Puis c'est quand le prophète est parti. C'est le maréchal qui l'a attrapé. Il dit, bon, madame, allons chez moi. Je vais t'aider. Pourtant, elle-même, elle sait que ça la fatigue. Pourquoi elle n'est pas venue d'elle-même? Non, mais Guido, il voulait bien, mais vous dites quatre règles de filer dans la cassée. Ok. Donc, qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Tes enfants, tu les as programmés, tu as gâté leur vie, ils n'ont pas l'argent. Qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Elle demande pardon à ses enfants. Mais ce qu'elle a fait là, est-ce que c'est elle-même qui a fait, mais c'est quelque chose qui l'a poussé de faire? Non, faire avec elle, mais mis deux filles et vous créez la vie, vous voyez, vous créez vous. Faites bien. Et vous devez vous créer vous. Ah! Attends, je vous ai dit, elle voulait faire pour les enlever dans le. Donc, c'est ce sorcier-là qui l'a poussé de garder ses enfants. Donc aujourd'hui, elle demande pardon à ses enfants. Ok. C'est tout ce que tu as dit. C'est fini. Okay. Elle met sa tête en bas de la pied pour l'aider. D'accord. Ok, donc, nous sommes en train d'aller à la délivrance vers la délivrance de cette maman, cette vieille qui est là depuis janvier. Pour sa délivrance, ça met du temps. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que le prophète, c'est selon l'Esprit que le prophète marche. C'est pour ça que ça a mis du temps. Et cette maman, c'est vrai que c'est le prophète qui l'a fait venir, mais d'elle-même, personne ne l'a forcé. Pose la question. Depuis qu'elle est ici, est-ce qu'on l'oblige? Est-ce qu'on a une fois forcé pour qu'elle reconnaisse sa sorcellerie? Depuis qu'elle est venue ici? C'est depuis au dernier coup, au droit qu'il est là, il veut faire forcer. Comme elle est sorcière, elle ne fait que crier la nuit. Et puis elle a vu que elle, ça ne l'arrange plus. Donc elle veut que nous quand elle veut ça. Donc personne ne l'a forcé. Personne ne l'a forcé. On l'a pas obligé à reconnaître sa journée. C'est elle-même qui est fatiguée, qui dit ce qu'elle est. Okay.